Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, bonne année à tous. Bonne année. La santé, les comics, j'espère que vous avez bien profité, mais pas trop quand même, parce que je vous rappelle que, mine de rien, il y a beaucoup de naissances aux alentours du mois de septembre, et c'est pas pour rien. À mes côtés, toujours Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Comment Jeff. Toujours chaud? Toujours très bien. D'accord, bon bah c'est nickel. Et de l'autre côté, donc Florent, aka Locorse, créateur de la série VHB, et l'un des scénaristes de... Non. Si. Si, voilà. Exactement. Comment tout tu vas, Florent? Ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Ouais. C'est une bonne réponse, plutôt pas mal. Plutôt moi, pas j'aime mal. Bien, moi j'aime bien. Tendance bien. Donc c'est déjà pas mal, c'est clair. Alors, vu que c'est la première fois que tu es là, je te rappelle, donc tu es là pour participer au débat, et donc Julien va dire quelque chose, toi tu dis, je suis d'accord. Non, moi je ne sais pas. Ça, c'est ton rôle. Pas d'accord à la base, ah bon mais... Ah d'accord, donc non. Il sera pas l'émission d'accord. L'émission va durer 3 minutes, c'est déjà. On va commencer avec toi, donc Julien, qui va nous parler de oui. L'actu. Beaucoup d'actu, Julien, c'est ça? Toujours beaucoup d'actu. C'est parti, on commence, comme d'hab, avec l'actu... Cinéma. C'est bien, okay. Allez, ouais, à demi-point. Donc dans l'actu, on a eu deux bandes annonces depuis la dernière émission, Avengers Age of Ultron, évidemment. Donc je rappelle Joss Whedon toujours, qui écrit, qui réalise, Joss Whedon, amen. Donc ça sort le 22 avril et les Avengers affronteront Ultron, l'intelligence artificielle créée par Tony Stark, dans le film. L'autre bande annonce, c'est Ant-Man, donc Ant-Man sortira le 22 juillet 2015. Et là, pour le coup, c'est donc Paul Rudd qui jouera Scott Lang et qui reprendra le flambeau de Michael Douglas qui interprétera lui Hank Pym. Au niveau film, chez DC, c'est Tom Hardy. Oui. Tom Hardy qui quitte Suicide Squad. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Rôle, donc il devait interpréter Rick Flag dans le film, fameux Rick Flag. Le fameux Rick Flag, donc leader de l'équipe dans les comics. Ah oui, d'accord. Et je connaissais pas avant qu'on en parle. Je crois qu'il a été leader de l'équipe. Tu commences bien, toi. Ouais, ouais. C'est un peu dans les années 80. C'est un peu une ancienne équipe. Hein. Ouais. Ancien leader de l'équipe. Voilà. Bref, du Suicide Squad, avec qui voit donc Will Smith, Jared Leto, tout ça. La raison officielle, c'est qu'il est en tournage pour en ce moment-là. La raison officieuse, c'est qu'il a eu le scénario et qu'il n'a pas trop aimé. Sérieux? Ouais, ouais. Oula. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Bon. On en pensera ce qu'on veut. Une actu qui est sortie ce matin, on est à jour là, X-Men Apocalypse, donc qui sort lui le 18 mai 2016. On a eu trois acteurs, donc ce sera les jeunes Cyclope, Tornade et Jean Grey, interprétés par Ty Sheridan, Alexandra Shipp et Sophie Turner. Désolé, je lis, mais là, c'était un peu compliqué. Donc voilà, les jeunes acteurs, personnages qui étaient déjà dans la première trilogie. On passe aux séries TV. Séries TV, deux bonnes nouvelles pour DC, puisque The Flash et Gotham sont renouvelés. Pour toi, une saison 2. C'est ça. Bah, moi, je ne regarde pas, c'est pas grave. Ouais, mais... Non, moi, je trouve que Gotham, c'était une Florent bonne surprise. Ouais, j'ai regardé Constantine, j'ai pas trop apprécié. Mais, Gotham, j'aime beaucoup. Voilà, bon. Mais ça se partage très bien avec des gens qui ne connaissent pas du tout les univers. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ces séries comics. On a eu beaucoup à la rentrée, du coup, elles tiennent plutôt bien choc, donc c'est une bonne chose. Et du coup, on a aussi Arrow, je le dis bien ce coup-ci, Arrow, renouvelé pour une saison 4 sur ce CW, elle aussi. Une autre bande-annonce, c'est celle de la série iZombie. Donc là, c'est un peu arrivé de nulle part, en fait. C'est le comics de Chris Robinson et Michael Red, chez Vertigo. C'était 2011, je crois, ou 2010, un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est arrivé sur CW, c'est au mois de mars, et c'est les producteurs de Véronica Mars. Mars. Donc voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner comme série. On ne sait pas trop ce que ça va donner, du coup. Personne n'a lu cette série, à mon avis, ou très peu l'ont lu, mais voilà, en tout cas, il y a une série qui se fait, et puis bon, on verra. Et news de dernière minute aussi, c'est pour Supergirl, qui arrive sur CBS. Alors, on ne savait pas trop si le projet avait été finalement validé ou quoi, et finalement, on a une actrice qui est arrivée, qui a été choisie. C'est Melissa Benoist, qui apparemment est connue pour Glee. Personne ne regarde donc Glee. On ne connaît pas, voilà, exactement. Si, en plus, je te promets que j'en ai vu pas mal, mais ça doit être un des multiples personnages. Voilà. Bref. Il y a un peu 40 personnages dans la série. Donc on n'a pas d'image, du coup, vu que c'est arrivé hier soir, c'est tombé hier soir. Mais j'imagine qu'elle est blonde. Ouais. Non, elle était brune. Elle s'était en blonde. Ils ont mis la photo sur Internet du genre, regardez, elle s'était en blanc et tout pour Supergirl. Oh, ça, c'est l'acteur studio. Formidable. Ah, c'est beau. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ok, on passe au comics là, ça y est. Ouais, ok, vas-y. C'est parti. Alors, évidemment, là, grosse annonce du côté de Marvel. Les univers
Classique et Ultimate vont fusionner au mois de mai prochain avec l'event Secret Wars. Je ne sais pas si je peux écouter, c'est trop de spoilers pour moi. Non, ce n'est pas du spoiler. Oh, d'accord, vas-y. Oui, non, c'est annoncé par Marvel, on ne sait pas ce qu'il y aura. Donc ça va être l'event Secret Wars, écrit par Jonathan Hickman. Depuis quelques mois, depuis même quelques années maintenant, son run sur Avengers, il fait s'entrechoquer les planètes. Je ne sais pas si vous avez lu ou pas. Oui, j'adore. Voilà. Jonathan Hickman, c'est vraiment très bon. Son cycle sur Avengers. Voilà, ce qu'il appelle j'ai oublié, les intrusions ou les... Bref, je l'avais noté. Les incursions, je crois. Les incursions, exactement, les incursions. Et du coup, la grosse incursion, Marvel normal, Marvel Ultimate, qui vont fusionner, en fait. Donc, pas détruire, mais fusionner. Et, avec plein d'autres univers. Et en gros, ça va être une sorte de Crisis on Infinite Earth, c'est la version Marvel. Le temps d'un gros crossover, et voilà. Après, chacun retournera chez soi. Tout va mourir, tout va renaître. On ne sait pas qui va rester, on ne sait pas qui va revenir. Voilà. Ça va être un gros bordel. Mais ça peut être très, très sympa si c'est bien géré. Et tu peux avoir des petits retours très, très sympas à ce niveau-là. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses à venir du côté de Marvel. C'est vrai que ça reste une grosse annonce, quand même. C'est une grosse annonce, ouais. C'est Marvel annoncé comme le gros truc et qu'il y aurait des surprises. Et je finis les comics en disant que Deadpool va aussi mourir. Bon, allez, ils meurent tous, donc on y va. Numéro 250 qui finira la série actuelle sur la mort du personnage. D'accord. Voilà, il fallait le signaler. Comme façon, Deadpool est souvent un pastiche d'autres comics. Il fallait bien qu'il meure. D'ailleurs, il est mort. Il est mort plein de fois, mais il est un peu immortel, techniquement. Donc bon. Je ne suis pas tout le temps, mais alors je ne sais pas si vous vous rappelez l'idée de ce clone. Mais là, les filles qui a été fait, lui, d'une fan à partir de tous ces... cadavre. À chaque fois qu'il est blessé, il perd une main, un bras, etc. Elle avait reconstitué pour se créer son Deadpool à lui. Donc c'était un Deadpool fait de bouts de Deadpool mort. C'était complètement absurde. Ça m'avait beaucoup fait rire. Okay. De toute façon, de manière générale, je crois que tous les super-héros Marvel ont eu au moins un clone quelque part, en fait. Et un mort. Et une mort. Et une mort. Mort. Bien sûr. Oui. Je pense que c'est bien. C'est bien. Voilà. D'accord. Pour l'actu. Et je crois qu'on enchaîne directement avec Foxboy, c'est ça ? C'est ça. Eh bien, parfait. C'est encore à moi. Donc, je vous présente un petit renard. Il s'appelle Foxboy. C'est le super-héros français, voilà, qui habite à Rennes, qui défend la ville de Rennes, qui est écrit par Laurent Lefebvre. C'est vachement chouette, si on vous en parle, c'est que Laurent Lefebvre était en dédicace à la librairie Momy de Metz, qu'on salue au passage. Et forcément, on a été le voir et lui poser 2-3 questions. Magneto. Le premier tome est un tome d'installation, c'est-à-dire qu'il est un petit peu austère. On dit qui il est, où il vit, avec une mère célibataire. Il est au lycée, s'il y a une unité de lieu à Rennes, une unité de temps qui est la terminale. Donc, ce n'est pas l'album le plus rock'n'roll, le plus marrant. Je voulais étirer ce temps de d'où vient le personnage, qui il est avant les pouvoirs. Il n'y a pas de traumatisme profond, genre tonton Ben assassiné ou parents tués quand on était petit ou famille massacrée à Central Park lors d'un pique-nique avec fusillade entre gangs rivaux comme chez le Punisher, etc. Il n'y a rien de tout ça, pas de traumatisme. C'est un fan, un geek, un foot comics qui a la chance par un hasard incroyable d'obtenir des pouvoirs. Et quand on est fan de super-héros, d'avoir des petits pouvoirs magiques, eh ben, l'occasion est rêvée de se donner un nom américain, Foxboy, de se faire un costume et de se la jouer super-héros américain. Sauf que lui, il est tout seul. D'abord, j'ai pensé faire une histoire de loup-garou qui se passerait à Brest, avec un gamin d'une douzaine d'années, une petite sœur, des aventures à la fantômette, très classique, presque du Club des Cinq. Le renard, ce qui me plaît, c'est que c'est un animal très français. Par la littérature, c'est le roman de Renard, Renard avec un T, du nom propre du personnage qui a donné le mot renard, là où on l'appelait Goupil jusque-là, l'animal s'appelait Goupil. Et puis, comble cerise sur le gâteau, les nuits rennaises sont oranges, les lampadaires sont oranges, les nuits sont oranges, quoi de mieux qu'un héros orange pour s'y fondre toute discrétion. Le seul côté local que je revendique, c'est le fait que je suis né et que je vis à Rennes. Ce n'est en aucun cas un Captain Bretagne, ce n'est pas une Hermine, ce n'est pas un Captain America à la sauce galette saucisse. C'est vraiment... J'ai l'habitude de dire que si j'habitais dans le Périgord, il y aurait des aventures avec, pourquoi pas, l'homme de Néandertal ressuscité, ou si j'habitais Metz, mais c'est déjà fait avec l'ami Bertrand Cafterian. J'aime bien l'idée que chacun puisse réenchanter les lieux où il vit. Parce qu'il n'y a pas qu'à New York et autour des gargouilles de Gotham et les taxis jaunes de Brooklyn qu'on peut rêver. Quand je fais une histoire, j'essaie d'imaginer l'histoire que j'aimerais lire, trouver en librairie et qui n'existe pas. Je me dis quel livre, quel genre de super-héros
pourrait attirer mon œil, mon attention et tenir ses promesses. Si c'est pour faire du sous X-Men, du sous Batman, du sous Spider-Man ou autre, pas la peine, c'est déjà très bien fait. Il y a d'excellents récits dans chacun des titres et dans des dizaines d'autres personnages que je viens de citer. Donc si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Parce que moi, si j'étais un super-héros, en tout cas tel que je me voyais quand j'avais 8 ans ou 10 ans, c'était pas en train d'escalader des gratte-ciels hauts de 150 étages, j'en avais jamais vu de ma vie. Par contre, des petits immeubles de 3-4 étages, des maisons avec des gouttières, des cheminées qui évoquaient plus l'univers un peu poétique du Bruxelles dessiné par Franquin, ça me parlait. C'est dans le tome 2 que vraiment on va passer au carré, au cube, on va faire intervenir beaucoup de personnages. C'était pas mon intention initiale, je voulais rester dans quelque chose de très sobre, c'est-à-dire un personnage super-héros qui évolue dans un monde sans super-héros. J'ai changé d'avis il y a quelques mois, lors de mes rencontres, de mes dédicaces, en échangeant avec les lecteurs, et vraiment je me suis dit que c'était quand même idiot de ronger son frein et de aller dans ce plaisir de mélanger, pourquoi pas Rennes, Saint-Malo et des décors de campagne bretonne ou d'ailleurs en France, et d'y mélanger les vrais codes super-héros avec une tripotée de gugus en collant, en costume, et d'essayer de le faire le plus sérieusement possible. Et voilà pour l'interview. Merci beaucoup, Laurent Lefebvre. On espère que le tome 2 verra le jour bientôt. C'est ma dédicace, ça. Waouh, trop bien. Waouh. Donc, Foxboy, chez Delcourt, on l'a pas dit. Du coup, on enchaîne avec des comics, encore et toujours des comics. C'est le but, normalement. Donc, je vais parler, un petit focus, sur le Gant de l'Infini. Et wow. Ouais. Un classique. Ce classique de Marvel, alors que j'ai découvert tout récemment, du coup. Je sais, c'est pas très bien, mais voilà. Grâce à l'édition Marvel Gold. Donc, ce bouquin de Jim Starlin, donc très bon scénariste qui a fait ces gros events cosmiques, dessiné par Georges Pérez et Ron Lim. Donc, c'est 6 numéros, voilà, pour le prix de 16 €, je crois. Ce qui est pas trop mal, format souple, sympa. Alors, j'ai vraiment surkiffé. Je vous le dis direct, j'ai adoré, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est vraiment une grosse saga cosmique. C'est vraiment... Pour le pitch, c'est Thanos qui récupère le Gant de l'Infini et qui en gros peut faire absolument tout ce qu'il veut. Mais genre vraiment tout ce qu'il veut. Il fait disparaître 50% de la population de l'univers entier en faisant comme ça. Clic. Ça fait très peur. Donc c'est vraiment cool parce que l'histoire et finalement... En plus, claquer des doigts avec un gant, c'est vachement balèze. C'est vrai que c'est la classe tout de suite. C'est vraiment c'est pas n'importe qui, c'est joyeux et tout. Ouais. Donc c'est vraiment classe parce que Jim Starlin a réussi à faire de ce qui aurait pu être une grosse baston et de faire vraiment une partie d'échec en fait. On va avoir vraiment face à lui, c'est qui face à lui face à Thanos Warlock, Adam. Oui, Adam Warlock, bien sûr. C'est lui qui va mettre au point une sorte d'échec géant pour réussir à vaincre Thanos et lui retirer le gant. C'est vraiment sympa. On va aussi avoir ce qu'on aime souvent dans les comics, c'est voir les héros se faire déchirer. Et là, pour le coup, il y a un chapitre, mais les héros se font démonter, ils crèvent tous. Je spoil un peu, mais c'est pas grave. Thanos les déchire tous un après l'autre, mais c'est 91 d'histoire, hein, tu m'excuseras. Oui. Et c'est vraiment impressionnant et ça marche bien. Et le Gant de l'Infini aussi n'a jamais été aussi impressionnant, je crois. Parce que, on l'a revu souvent depuis, il fait des petits trucs, là, encore récemment dans Avengers, mais là, il a une puissance de malade. Donc ça, c'était vraiment cool. Au niveau des dessins, c'est 91, donc c'est pas vieillot. En plus, c'est Georges Pérez, c'est vraiment cool. Par contre, c'est que la colo qui est peut-être un petit peu vieillotte, bon, sur le coup, mais voilà. Mais ça passe très très bien. Et pour terminer, c'est aussi accessible à tous, malgré qu'il y ait un peu tous les personnages de l'univers Marvel dedans. Ça passe quand même. Même si je connais pas toutes les entités cosmiques qui arrivent à la fin et tout, c'est pas grave. Ça passe vraiment bien, donc je conseille fortement le Gant de l'Infini. C'est vraiment cool. En plus, avec les films Thanos et tout, c'est important à lire. Du coup, j'enchaîne avec les sorties. Ce qui tombe bien, c'est qu'en février sort la suite. Qui est évidemment. C'est beau, c'est qui est évidemment bien fait, la suite. Disons, qui est La guerre de l'infini. La guerre de l'infini, toujours par Jim Starlin et avec Ron Lin, cette fois qui est seul au dessin. Donc ça sort le 4 février et dans la collection Marvel Gold aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Si. Et ben, ça va être très sympa. Du coup, moi, je ne l'ai pas lu. Donc je ne peux pas dire que c'est. Encore une fabuleuse découverte. Mais je peux dire que voilà, c'est encore beaucoup de grosses bastons. Et ça reste en gros, épique. C'est un double maléfique d'Adam Warlock qui va récupérer le gant et créer des. Double maléfique de tout le monde. Des super-héros. Voilà. Ça peut être sympa. 4 février. Le 4 février aussi, on a les débuts de Miss Marvel, la nouvelle, qui s'appelle donc Kamala Khan, donc, qui fait parler un peu d'elle parce que religion musulmane, on va pas débattre là-dessus, mais voilà. Donc c'est vraiment une approche qui est très fraîche sur le coup. C'est un peu une fan de Miss Marvel qui va devenir Miss Marvel, et aussi à côté pouvoir original très intéressant. Donc là, c'est écrit par J. Willow Wilson, dessiné par Adrian Alfona, et ben, je conseille aussi. C'est voilà, une série un peu ado, un peu fun, un peu... Ça marche bien. Ce qui sort aussi chez Urban Comics, cette fois, on l'attendait depuis longtemps, c'est Hellblazer.
la série, la célèbre série de Vertigo. Alors Urban ne savait pas trop comment le sortir, en fait, il ne savait pas par où commencer, c'était un peu compliqué. Finalement, ils ont fait le choix de centrer sur le run de Garth Ennis. Donc la collection va être Garth Ennis présente Hellblazer. Ça commence au numéro 41 de la série. Et c'est l'arc, en tout cas le début de l'arc, où jeune Constantine, du coup, va affronter un cancer. Voilà, il a le cancer et du coup, c'est un peu, ça va changer un peu d'affronter les démons, etc. C'est une approche assez, assez spéciale du personnage sorti le 27 février. Et je termine, ouf, je l'ai là, par The Wake. Donc The Wake, c'était en janvier, mais on en parle puisque Scott Snyder et Sean Murphy, les auteurs, seront à Angoulême, pour le coup, invités par Urban Comics. Donc là, c'est un récit en deux parties qui est complet, chez Vertigo aussi. Et c'est Snyder qui s'attaque au mythe des profondeurs, des créatures, des profondeurs. On sait qu'il aime bien le côté horreur. Il a fait le côté ogre avec Severed. Il fait 8 titres dans son nom sur les sorcières. Et donc là, il parle des monstres sous-marins. Et c'est aussi très, très bon. Et puis Sean Murphy au dessin, voilà, on adore. Quoi. Ouais, c'est beau, on adore. Voilà pour les sorties. Alors du coup, j'ai plus de rubrique, donc l'émission est finie, ça. On peut y aller. C'est terminé. Non. C'est quoi la réponse? C'est non. Non. Non, c'est pas fini. En fait, tu restes et il y a encore plein de choses après. Je veux pas te démoraliser ou quoi, mais une fois que j'ai fini, tu vois, les gens, ils partent en fait. Ben laisse-les partir, c'est pas grave. Nous, on continue. Après, on a préparé. Avec le steak sa pile de Florent, je pense qu'ils vont rester, mais habituellement, ils partent quand même. Non, ah ouais, bah, merci Florent, alors heureusement que t'es là. Ouais, voilà. Super. D'accord. Non, on va lancer un débat. C'est bien un débat. Quand même. Ah d'accord. Débattons. Et donc, le débat, c'est les personnages de comics ne sont-ils jamais mieux écrits que par leurs créateurs? Et donc, on a posé la question à Laurent Lefebvre et je vous propose de voir sa réponse immédiatement. Le droit d'auteur est une super chose pour nous en Europe, en France, c'est-à-dire on peut disposer des destinées de nos personnages, choisir de ne pas les continuer après notre mort, par exemple. Par contre, je reconnais un grand avantage dans le système de l'industrie américaine telle qu'elle existe, c'est-à-dire que si uniquement Bob Kane avait dessiné Batman, on n'aurait jamais eu les vrais grands récits de Batman. Idem pour Daredevil, et j'enlève aucun talent évidemment au père, à ceux qui ont créé les personnages, mais quel qu'il soit, quel que soit celui auquel on pense, c'est dur de répondre à cette question, parce que je vois plein de contre-exemples. Hellboy sans Mignola aux commandes, que serait-il devenu? Elektra qui échappe au contrôle de Miller, ça devient compliqué. Une bimbo nourrie au pop-corn qui se... Bonjour la ninja discrète qui se balade en rouge, c'est très compliqué. Je crois qu'il n'y a pas une réponse qui peut se terminer par oui ou par non là-dedans. Ce qui est vraiment bien dans ce système américain, effectivement, c'est qu'on peut grandir, fantasmer un personnage, comme Miller l'a fait avec Batman quand il était enfant, et Daredevil, et pouvoir y apporter des choses toutes personnelles, comme par exemple la connaissance du film noir, du roman noir, l'amour de Will Eisner et les connaissances du spirit et tout ce qu'il a apporté à la bande dessinée, de Bill Krigstein qui travaillait dans les EC Comics dans les années 50. Toutes ces choses-là, il faut laisser le temps à un personnage à échapper et voir devenir plus grand que ses créateurs. Batman est aujourd'hui 1000 fois plus grand que Bob Kane ne l'aura jamais été lui-même. Et c'est ça qui est magique dans l'industrie américaine. Alors si la question est-ce qu'il faut être le créateur du personnage pour en tirer les meilleures histoires, je ne peux pas m'en sortir mieux qu'en disant pas forcément, et les exemples sont légion. Alors Florent, qu'en penses-tu? Es-tu d'accord? Dans les grandes lignes, ouais, non, je suis assez d'accord. Ce qui est important avec les personnages de comics, parce que la question, ça se porte sur les super-héros, les grands personnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'ils continuent à exister pour avoir vraiment leur valeur de super-héros intemporels qu'on connaît et qui continuent de vivre parmi nous. Donc je pense que il est important que les créateurs puissent s'exprimer au début sur le personnage et vraiment les définir tel qu'ils le veulent. Quoi. Mais si après, s'ils doivent continuer, je pense que ça peut être intéressant. Il peut y avoir d'autres récits et d'autres apports par d'autres auteurs. Donc en fait, l'intérêt, c'est que le personnage soit vraiment très bien défini au départ, que le créateur fasse bien son boulot, parce que les personnages comme Spider-Man, il y a une punchline, c'est en 3 lignes, on résume le personnage. Quoi. Mais c'est vrai, comme il disait, il y a, avec le temps, avec les époques, les personnages, ça devenu des figures emblématiques sur lesquelles des auteurs peuvent avoir des nouvelles choses à dire, donc c'est intéressant qu'ils passent de main en main. Enfin, je trouve que c'est un des intérêts. C'est d'avoir finalement une nouvelle vision du personnage, un autre angle d'approche. Et c'est tout ça qui est intéressant pour les personnages, pour les renouveler un peu, pour apporter autre chose à un personnage finalement. Même si le créateur l'a créé tel qu'il le voyait, tel qu'il l'a défini tel qu'il le voulait, finalement, c'est toujours bien d'avoir une approche différente. Après, c'est des archétypes, parce qu'on dit ça avec Spider-Man, le super-héros, mais après, il y en a d'autres qui ont trouvé
des gens qui veulent parler de Superman mais qui n'ont pas le droit de Superman chez Marvel vont inventer d'autres personnages qui ressemblent à Superman. On peut parler de Superman très facilement même si on n'a pas les droits. Donc en fait, c'est des figures, vraiment les super-héros, des archétypes. Superman est un archétype de super-héros en soi, le super-héros solaire, le super-héros qui est quasiment omnipotent, le dieu qui vit parmi les hommes. Mais finalement, la figure du cow-boy, il y a trois cow-boys, quoi. Il y a le bon, le brut et le truand, enfin, et on peut s'amuser avec. Voilà, donc je pense que finalement, c'est pas que chez les super-héros, on s'amuse avec des figures existantes. Celle de Dracula, bon, bah, quand il n'y avait pas les droits, on l'appelait autrement, mais c'était... C'est vrai que je pense que par rapport aux comics, on est obligé d'avoir cette ouverture d'esprit et de ne pas se dire que Batman, c'est la version de départ, quoi. Si à chaque fois on reste sur la version de départ, c'est juste pas possible de se mettre aux comics, quoi. Le personnage est systématiquement réinventé et vraiment très fréquemment. Du coup, on peut pas s'amuser, oui, à rester cantonné à une seule version. Il faut avoir cette idée que le personnage va évoluer et bah, des fois va évoluer très vite, voire trop vite, quoi. Ouais, il appartient à personne, du coup. C'est, même s'il a été créé par quelqu'un, comme je disais... Il appartient à les gens qui ont à l'éditeur, d'accord. Voilà, niveau auteur, comme disait Laurent justement tout à l'heure, c'est que Batman est devenu beaucoup plus énorme que Bob Kane lui-même. Évidemment, c'est, voilà. Batman, c'est autre chose. Hein. Bob Kane, d'ailleurs, peu de monde savent que c'est le créateur. Je crois. Non, c'est sûr. Pas c'est tant sûr. Que ça. Donc, en fait, on est à peu près tous d'accord avec Laurent Lefebvre. Quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Mais c'est déjà pas mal, je trouve. J'avais une question, par exemple, si tant que tu écrivais HB, ouais. Qui est une série de chasseurs de vampires, si il y avait un auteur qui voulait reprendre, par exemple, en tout cas, faire une histoire sur la série à côté, en reprenant tes personnages, est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu trouverais que ce serait un apport intéressant pour toi? Il faut déjà que j'ai eu le temps d'écrire ce que j'avais écrit sur les personnages, mais... Donc après, non, il y a même déjà des projets comme ça, c'est intéressant. Après, c'est pas systématique pour tout. Je sais pas si c'est intéressant de tous les personnages soient repris. Est-ce que les personnages d'Y, le dernier homme, doivent être repris pour faire une suite par d'autres auteurs et la reversion de l'histoire? C'est inutile. Il y a des œuvres qui sont censées être clos. Mais quand on crée un archétype et qu'on commence à l'écrire dans un système feuilletonnant, mensuel, sans de fin prévue, un ongoing, bah c'est normal que quelqu'un reprenne derrière. Ça marche très bien avec Spirou, par exemple. Aussi oui, en franco-belge, c'est tout à fait crédible, enfin, ça marche bien, ça marche, enfin, on ça peut marche. Le faire. Et... Donc non, c'est voilà, pour l'instant, moi, ma série, je la vois en tant qu'œuvre close. Mais après, des histoires annexes, vu que c'est aussi inspiré du comics, c'est super intéressant aussi, et donc on y travaille, quoi. Je contrôle quand même beaucoup. D'accord. Donc merci, messieurs, voilà pour le premier débat. Alors maintenant, c'est moi qui vais prendre le relais, je vais parler de Marvel Zombies. J'espère que vous... ça vous inspire, tout le monde a lu Marvel Zombies, vous connaissez par cœur. Ça va attendre, ça, non? Attends, t'exagères un peu. Alors c'est vrai qu'on n'en a jamais vraiment parlé dans l'émission, alors qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est vrai quand même, Marvel Zombies, c'est ce qu'on peut appeler un classique. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément bon, mais c'est un classique, je te vois venir, je préfère préciser. Alors à la base, c'est une mini-série lancée en 2005 par le scénariste Robert Kirkman, que je ne présente plus. Le succès est présent et du coup, la série continue et on a pu voir ainsi un crossover avec Ash, Devil Dead notamment. Alors, de manière générale, on peut commencer par dire qu'on ne peut pas commencer les comics Marvel par Marvel Zombies. Il y a certains vendeurs qui le prétendent, c'est juste pas possible. Ce n'est pas parce que vous voyez Peter Parker manger la tante May que vous allez apprendre des choses sur Spider-Man. Donc ça, on oublie. Vous attaquez Marvel Zombies si vous y connaissez un minimum en Marvel. Et en zombies. Et en zombie, oui. Merci Julien. Les zombies, c'est ça. Il faut savoir qu'ils sont morts et tout. Ouais, voilà, donc en Marvel et en zombie. Donc au niveau de l'histoire maintenant, donc tout commence lorsque les quatre fantastiques de l'univers Ultimate se retrouvent sur Terre de 1949 et ils découvrent qu'un virus a ravagé donc les fameux super-héros et qu'ils sont devenus des sortes de zombies cannibales. Ça tient en fait en trois numéros. Dans les 4 Fantastiques Ultimate, en 3 numéros. Et c'est sur cette mini-trame que Robert Kirkman va rebondir et qui va créer donc Marvel Zombies. Donc là, on découvre cette fois comment ça s'est passé et on voit donc les super-héros dans leurs costumes, avec leurs caractères, se transformer en zombies, etc. et bouffer tout ce qui traîne, en gros, quoi. Alors déjà, selon vous, est-ce que c'est... Donc là, on y arrive. Est-ce que c'est une bonne série? Je remonte les manches, on me voit à l'écran là. On te voit à l'écran. On ne va pas remonter les manches. Officiellement. Est-ce que l'on peut conseiller Marvel? Je remonte les manches. C'est pas ce qu'il faut conseiller. On peut le conseiller, mais c'est pas ce qu'il faut conseiller chez Marvel. Non. Moi, je suis tombé. Je les ai pas dans ce format-là en omnibus. Je les ai lus. J'en ai quelques numéros en 100% Marvel comme ils étaient sortis au départ. Ah, et ça, du coup, je les ai pas bien. Tous. On va en parler après. Et c'est intéressant parce que c'est plein de petits cycles. C'est composé par plusieurs cycles. Oui. Il y a le cycle principal, il y a le cycle Ultimate X-Men, il y a celui avec X-51 que j'ai lu, que je trouve pas mal. X-51, c'est Machine Man, c'est un robot dans un monde où tout le monde devient des zombies. Et là, du coup, on a
c'est composé de plusieurs mini-séries, en fait. Et donc, il y en a que je trouve intéressantes et d'autres qui sont juste un moyen de voir Spider-Man manger tant de faire une sélection, c'est ça ? L'omnibus, c'est peut-être pas nécessaire, à part si on aime bien voir du zombie partout. Mais je sais pas, je suis pas 100% convaincu. Il y a des six que je trouve vraiment très bons et d'autres gadgets. Bah, moi, je vois pas l'intérêt, en fait. À part si t'aimes le zombie, que tu veux peut-être avoir une lecture un peu simple, fraîche, ou qui t'éclate un peu, mais autrement, au-delà de ça, je vois pas l'intérêt. Je trouve que l'humour est très lourd et pas... Ils sont pas tous, tous les cycles ne sont pas dans l'humour. Au début, il y a un peu un truc comme ça, mais ils sont pas tous dans le style. En tout cas, j'ai pas réussi à accrocher personnellement, mais après, bon. D'accord. Donc, on peut le lire, mais c'est pas forcément... Faut arracher quelques... Non, pas arracher des pages, mais on peut tout lire. Je passais chez le libraire, lisais les premières pages, et vous verrez. Les emprunter, enfin, on peut les emprunter, peut-être. Vous devez vous faire votre propre avis, apparemment. Ouais. Mais c'est bien trash, des fois. C'est sympa. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Si vous aimez les zombies et Marvel, là, techniquement, ça devrait aller, quoi. Non, c'est vrai. Ou si vous détestez Marvel et vous voulez tous crever, c'est sûr que si vous n'aimez pas les super-héros et les zombies, ça part mal, c'est vrai. Bon. Donc, suite au succès, c'est devenu le bordel. Clairement, on peut le dire. Alors, la première suite est Marvel Zombie versus The Army of Darkness, je l'ai déjà dit, donc, avec Ash des Evil Dead, qui était interprété par Bruce Campbell dans le film. Mais surtout, il a été nommé Marvel Zombie 2 en France, alors que ça se passe avant. Donc, ça aurait dû plutôt s'appeler Marvel Zombie 0. Ouais, mais ça, c'était pas fait. Enfin, c'est Urban Comics qui a introduit ce fait de faire des zéros, mais c'était pas le cas avant. Peut-être, mais du coup... C'est encore plus le bordel après, forcément, parce que qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Bah, au bout d'un moment, il y a Marvel Zombie 2 qui sort. Bah oui. Et du coup, bah, en France, bah, ça donne quoi ? Bah, ça donne un Marvel Zombie 3 au lieu du 2. Tu vois ? Alors, déjà, aux États-Unis, c'est pas très clair, parce que ce Marvel Zombie tome 2, c'est pas vraiment un tome 2. C'est-à-dire que la première partie du bouquin reprend ce qui s'est passé dans le premier volume, mais d'un point de vue différent. Et la seconde partie de ce tome 2, et la suite. Autrement dit, ça serait plus un Marvel Zombie 1.2, tu vois ? Comme Evil Dead 2 était pour Evil Dead 1. Il y a une suite, un peu. Voilà. Mais du coup, en France, c'est encore plus le bordel qu'aux États-Unis parce que ça devient Marvel Zombie tome 3, sachant qu'ils parlent quand même du 1 dedans. En même temps, ça n'a tellement pas d'intérêt. Merci de cette conclusion, Julien. C'était beau. Dans les comics, on sait que souvent, c'est un peu... Voilà, c'est un peu... Non, mais bon, là, c'est vrai que c'est quand même supposé être une série plutôt claire, quoi, on va dire. Ou une sorte de suite de mini-série. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il y a tout qui s'entremêle. Alors déjà, aux États-Unis, c'était un peu délicat. En France, c'est encore plus délicat. Alors du coup, il ne faut pas lire ce que le monsieur-là a conseillé. Il faut acheter ça. Du coup, c'est déjà... un petit peu plus clair. Bon, d'accord. C'est pas parfait, mais c'est un petit peu plus clair. Donc, du coup, tu t'excuses tous tout les suite. Cycles. Mais du coup, on tape tous les cycles, bien. Effectivement. Bah, il faut faire des choses. Et c'est un peu plus cher, à mon avis, Marvel Deluxe. Et c'est un peu plus cher. Donc, après tout ça, s'en est suivi Marvel Zombie 2, 3 et 4 qui se passent sur notre Terre à nous. En fait, il y a les zombies de la Terre, de là-bas, qui viennent chez nous. Tu dis et c'est suivi de... l'univers Marvel normal ou l'univers de notre monde à nous pour de vrai ? Non, non, le nôtre. Ah, d'accord. Vraiment. Donc, et là, il faut que je lise parce que c'est pas clair. Ensuite, c'est Marvel Zombie Return, Marvel Zombie Evil Evolution. Ensuite, seulement là, nous avons Marvel Zombie 5, puis Marvel Zombie Supreme, et enfin, Marvel Zombie Destroy. Il n'y a pas Marvel Zombie contre univers Marvel, un truc comme ça pas, bref. Bah, c'est peut-être les fameux 2-3-4. Donc, tout ça pour dire que lire, oui, de qualité, oui, peut-être. C'est suivant ce que vous en pensez. C'est largement possible. Mais dans tous les cas, il faut quand même s'accrocher. Il ne faut pas se perdre en route. Donc voilà, et pour terminer, je vais vous proposer un petit jeu, parce que je pense que vous le savez, parce que vous êtes des passionnés comme moi. Oh. Toutes les covers de Marvel Zombie ont repris un fameux numéro d'un... Ah ouais, c'est... Donc il est au courant. D'un autre comics, en fait, tout simplement. Par exemple, d'une autre cover. Mais pour un volume de Marvel Zombie, précisément, ils ont repris des affiches de films d'horreur. Ah ça, j'en ai pas vu. Bah oui, c'est l'intérêt. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous montrer les covers de Marvel Zombie et vous allez devoir retrouver le film. Vas-y, Alex. C'est une série de films d'horreur, j'espère de trouver. Allez-y, dites-moi Evil tout. Dead. Army of Darkness. Evil Dead. Evil Dead 3. Le 3, Evil Dead 3. Evil Dead 3, Army of Darkness. C'est bon, Army of Darkness. Donc, vous avez trouvé la première, félicitations. Passons à la deuxième cover. Donc ça, 28 jours plus tard. C'est sûr, c'est une question c'est... Ouais, non, si, c'est lui. D'accord, c'est, bah, toujours plus tard. C'est Danny Boyle et tout ça. Oh là là là. Ah, Julien, on l'a vu ensemble, je te signale. Ouais, et pourtant, t'as pas trouvé. Pas trouvé. Bon, troisième cover. Alors ça... Ah oui, mais c'était... C'est un peu différent dans le film d'horreur. C'est un film d'horreur, ça ? C'est un peu différent, il y a une approche différente. Non, je verrai pas. Non plus. Non, c'est un mec qui tape sur des zombies, mais de façon humoristique. Shaun of the Dead. Oui, Shaun of the Dead.
Je prends une raclée, là, ça va pas. C'est beau quand même, c'est beau. Non, elle est un peu moins bien faite que les autres, un peu moins évidente celle-là. Ouais. Donc ouais. Voilà, c'était un petit jeu pour d'accord, cette c'est partie. Fini. Ah, mince, oui, j'ai toujours le jeu fait à peine, moi. Je m'incline. Ah bah oui, j'en ai que 3. Donc en gros, t'as perdu, quoi. Ça marche. Voilà. Ça marche. Donc c'était tout pour Marvel Zombies. Maintenant, nous par contre, on est content d'avoir appris que vous regardez, vous faites des petites soirées films d'horreur tous les deux. On regarde des films d'horreur, ça nous arrive quand même, c'est sûr. Alors, nous vous avons posé une question sur Facebook. On vous a demandé si vous étiez confiant par rapport aux différents films DC qui arrivent à grands pas sur nos écrans. Et si Marvel avait du souci à se faire. Alors, par rapport à ça, encore une fois, j'ai relevé des réponses. Alors, en vrac, il y a Mehdi qui nous dit « Si c'est comme Man of Steel, aucun problème pour Marvel. » Un point pour lui. Un point pour lui. Adrien qui dit « Marvel a trop d'avance, c'est évident. » Deux points pour lui. OK. Et il y a John qui fait « Marvel. » D'accord. Il n'y a pas de point pour lui. D'accord, d'accord. D'accord. Donc maintenant, on passe à Frédéric qui dit « L'un sur Avengers et les Gardiens de la Galaxie et l'autre, Catwoman et Green Lantern. » Green Lantern. Sérieusement, les gars, quelle compétition. Julien. OK. Alors, je vais rebondir sur une réponse que tu n'as pas citée, mais que j'avais lue, en fait, qui disait que les personnages d'ici étaient bien installés déjà au cinéma. Et donc, d'ici, en fait, a cet avantage-là d'avoir des personnages qui sont bien connus, Superman, Batman, Wonder Woman, avec Linda Carter, ils sont bien connus et installés. Alors que Marvel, en 2008, quand ils sortent Iron Man, qui connaît Iron Man que pour le grand public? Personne. C'est vrai qu'ils n'ont pas commencé par le plus facile, mine de rien. Voilà, donc il y a vraiment cet avantage-là, mais pour moi, c'est le seul qu'ils ont pour l'instant. C'est-à-dire que Marvel a vraiment. Marvel n'a aucun souci à se faire, honnêtement. Hein. Soyons honnêtes. Ils ont tellement d'avance, que ce soit au niveau de la création de l'univers partagé, de la qualité des films, des héros qui sont introduits, et du nombre de films. Pour moi, ils n'ont aucun souci à se faire pour l'instant. Ce qui va être important, c'est ce que DC va sortir maintenant, donc Batman, Superman, Suicide Squad. S'ils se plantent là-dessus, parce que bon, Green Lantern, c'était mauvais, Man of Steel, ça a partagé les gens. S'ils se plantent là-dessus, à mon avis... C'est vrai que s'ils ratent les premiers films, je pense que c'est mort d'office. Voilà. Ça, c'est vrai. Il faut qu'ils arrivent à créer leur style, vraiment. Enfin, je trouve, parce qu'il y a... Alors justement, il y a William qui n'est pas d'accord avec toi et qui apparemment est d'accord avec toi, qui dit « DC a un coup à jouer en ne prenant pas la même recette que Marvel, c'est-à-dire des films comiques bourrés d'action. DC se veut plus sérieux et donc va pouvoir faire son beurre en proposant de voir quelque chose de différent de Marvel. » Donc c'est bien s'il dit plus sérieux et pas plus intelligent. Parce que ça, il n'y aurait rien de pire pour m'énerver de croire qu'il serait plus intelligent parce que sérieux. Mais non, je trouve que le Manos... En fait, à cause des films, des Batman... Enfin, pas cause, grâce au film de Nolan. Nolan, c'est un c'est surtout l'esthétique du film qui est bien. Enfin, je veux dire, scénario, c'est assez classique aussi. Mais l'esthétique des films de ces Batman, hein, je parle, ouais, sont super bien léchés. Snyder, qui a fait le Superman, c'est aussi un réalisateur, un maître derrière la caméra. Marvel, il ne cherche pas des maîtres derrière la caméra. Il faut quelque chose de fluide qui roule bien et que, tu vois, c'est... Je compare souvent entre du blues et du jazz, quoi, tu vois. Marvel, c'est plus du blues, quoi. Ça rythme, ça roule bien. Le jazz, quand c'est mal fait, que ça se prend prétentieux, c'est super chiant. On l'a pu, moi, je trouve, avec le dernier Batman. Ouais. Tu vois, quand ça pète plus haut que... On a peut-être le temps de se concentrer, on va dire, sur l'univers, on va dire, de bien montrer comment est Gotham City, la nuit, etc., l'ambiance. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a peut-être moins de rythme, mais plus de profondeur. Ouais, j'ai l'impression que Marvel, c'est des fans de comics qui veulent s'éclater, en fait, et vraiment adapter leurs personnages, enfin, les personnages qu'ils aiment à l'écran, et pas se prendre la tête. Alors que DC, peut-être faire plus des films cinématographiques, entre guillemets, si je peux. Mais c'est pas plus mal, c'est bien, il faut qu'il y ait la place. Je trouve que le premier Superman m'a peut-être pas donné envie de le revoir, là, le Superman qui est sorti. Mais je le reverrai quand même. Et je trouve qu'il a une belle patte graphique. Et s'il continue dans la même lignée, parce que finalement, le premier Iron Man était fun parce qu'il y a fait longtemps qu'on n'a pas eu de bons films de super-héros. Mais ouais, esthétiquement ou scénaristiquement, il n'est pas... Donc, de manière générale, donc DC a un coup à jouer, c'est évident. Ce n'est pas mort pour eux. Marvel n'a pas une avance de folie. Mais il faut qu'il fasse ses preuves, quoi. Ouais. Puis attends, on a 3-4 films de super-héros par an. Si on en a 8, on tiendra le coup. Hein, pour aller les voir. D'accord. Bah, merci, messieurs. Donc bah voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. On a plaisir avec nous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook pour suivre toute l'actualité comics, suivre nos prochaines émissions. Et Twitter. Et participer bien évidemment au prochain débat. À tout bientôt. Ciao, ciao.